Donc ici, c'est le plus grand shopping center de Chine. Et il est à Chengdu. Et j'ai pas pris de vidéo d'extérieur parce qu'il pleut, mais quand on regarde d'extérieur, on dirait un aéroport tellement que c'est grand. Et là, c'est juste une partie, une toute petite partie là. Je peux pas tout filmer. Mais voilà, il est énorme quoi. Il est vraiment très très grand. Là, on voit à travers. Et ouais, là on est dans le shopping center là. Donc là on voit pas, parce que là c'est les tickets d'entrée et en fait là-bas, là, dans le bâtiment, il y a un parc à thème sur l'eau. Ah ok, on va y aller après. Il y a même une patinoire. Et ça, c'est toujours dans le shopping center. Alors ça, ce sont des mini karaokés en fait. Genre trop bizarre. En fait, ils sont là et ils chantent dans leur cabine. Ils adorent trop chanter, les Chinois, c'est un truc de fou, ils adorent chanter. Là, ici, c'est un cinéma. Avec IMAX. On voit pas trop bien, mais voilà. Et du coup, en fait, c'est pas le plus grand centre commercial de Chine, c'est celui de l'Asie, le grand centre commercial d'Asie. Donc là, on est dans les montagnes du Sichuan à Chengdu, et un petit village là-bas, on ira tout à l'heure. Et du coup, ici, il y a un temple, et c'est un temple taoïste. C'est pour ça que, apparemment, les... Bon, je savais rien, c'est mon copain qui me l'a dit. C'est pour ça que le toit, il est recourbé sur le côté. C'est le taoïsme. Le bouddhisme, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est moi qui ai conduit une partie du chemin jusqu'ici. C'est moi qui ai conduit dans les montagnes et tout, et j'ai flippé. Les chineurs roulent n'importe comment. Ah oui, au-dessus, il y a des belles peintures. Ouais, très joli. Voilà, il y a un petit village ici. Hein? Ah oui, c'est ça, c'est avec des feuilles. Putain, c'est trop stylé. Hein. Le dragon, il est trop beau. Ah oui. Oui, pardon. En fait, ce qu'on a vu là, c'est des animaux, tout ça, fait avec des feuilles. C'est des feuilles de roseau, je crois, ou un truc comme ça. Là, il y a un petit village. Petite dame qui fait à manger. Super mignon. Et donc là, il s'appelle comment la montagne? Qingshan. Qingshan.
Donc là, on est dans le petit village. Oh. Trop stylé. Bon, très touristique, hein, bien sûr. Ouais, plein de petits bouddhas. C'est pas royal, mais c'est local. Ouais. Donc en Chine, il y a beaucoup, beaucoup de street food. Hein. La plupart, c'est du street food. Enfin, nous, on mange très souvent. Ah, c'est un moulin. Un moulin à... Alors, j'ai le mot anglais dans la tête. Un moulin à... Bref, vous avez compris. Les petits trucs qu'il y a dans les haricots, là. Bah, les graines de haricots. Voilà. Un truc que je trouverais toujours dommage, c'est que dans ce genre d'endroit, bah, c'est super touristique, quoi. Mais bon, après, d'un côté, c'est bien, ça, pour le village. Donc ça, c'est le temple taoïste. Il a un truc dans les cheveux! Ah, tombé. La différence entre un temple taoïste et un temple bouddhiste, je trouve que ça se ressemble. Parce que Tao, un Bouddha, c'est le dieu de bouddhisme. Taoïsme, c'est elle. Ah, c'est une fille. D'accord. Et elle est noire ou quoi? Tout à l'heure, j'ai vu un Bouddha fille, noir. Pas fille en Chine. Pour le dieu, il n'est pas fille ou pas fille. C'est pas le même dieu, c'est tout. Ah, c'est pas le même dieu. Oh, tout l'argent. Ouais, bon, ok, hein. Il y a des centimes et des 1 yuan. Wow. Elle prend une photo ici, c'est trop beau ici la vue. Vas-y.
va se péter la gueule. Bien fait de mettre mes chaussures aujourd'hui. Juste qu'il n'y ait pas des orties. Ah. C'est bien? Oh, trop froid. Oh, trop froid? Because you don't go to Japan. This is my last Hong Kong. Ice water. No. I think it's okay. Trop froid. Girls, Thailand, what's new for you? Come. 여름치 봉수빈이야, 이거. 여러분. Elle est trop bonne l'eau. Hey. Tu pleures. Oh. Maman houhou. Il y a des... Je sais pas si on voit sur la caméra. C'est des ruches. Il y en a partout là-haut, 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 là-haut. C'est plein de ruches. Ruches d'abeilles. Wow. Et là, je sais pas ce que c'est. C'est des bâtons, on dirait. Un petit coin pour les enfants. Trop mignon ici. Alors un truc qu'il faut que je dise parce que ça m'énerve, c'est que beaucoup de Chinois n'ont pas la conception d'écologie. Et du coup beaucoup, je sais pas si vous voyez là-bas, beaucoup jettent leurs bouteilles, leurs sacs, tout ça dans l'eau et c'est juste trop dégueu. Et j'adore parce qu'ils viennent voir la montagne, parce qu'elle est belle, elle est naturelle et tout, mais à côté ils l'entretiennent pas quoi, enfin moi ça m'énerve. Et il a trouvé un truc. Des petits poissons, trop mignons. Ah, des crevettes. Très très beau. Donc là on est dans un village, voilà pour ceux qui savent lire chinois. Je sais pas où, alors on est à Chengdu, mais je sais pas. Luotai. Ah. Donc on est dans Luotai, c'est un village encore très ancien. Donc ça commence très fort avec ce bâtiment. Là il y a un vieux théâtre. Très très vieux. Autrefois les gens jouaient autant. Ah oui. Vas-y, elle a fait. Ah. Regarde, t'es pas entré. C'est des chaussures traditionnelles. Eh oui, ça y avait bien. Il parle quoi? Elle vient d'acheter une éventail chinois traditionnel fait à la main. Toh, ça va? Osez, zo.
ici, c'est j'arrive plus à parler. Un peu un truc d'art. Voilà, il y a des expositions d'art et tout, et puis un petit restaurant. Manuel Street, ouais, il y a du vent. En fait, c'est trop chaud parce que j'ai mis une jupe, j'ai pas une robe aujourd'hui et il y a du vent, du coup, j'ai trop peur que ça s'en mal. Des dragons là-haut, je sais pas si on les voit là. Et en fait, cette tour, c'est parce qu'autrefois en Chine, il y avait plusieurs types de papier. Il y avait le papier normal et il y avait le papier où on écrivait dessus en fait. Et le papier où on écrivait dessus, on pouvait pas le jeter partout. Enfin, écrivait dessus le papier d'imprimerie quoi. On pouvait pas le jeter partout et on le jetait là pour qu'il soit brûlé. Parce que c'était un papier spécial apparemment. Voilà, et il y a de beaux dragons là-haut. Mais je sais pas si on va les voir sur la GoPro. Là-haut, là, il y a des dragons. Il est très beau, elle est très belle cette tour.